C'est un Français hein, qui s'appelle Anis B, qui a été arrêté à Rotterdam en début d'après-midi. En fait, c'est un très proche de Reda Cricket qui a été arrêté jeudi à Boulogne-Billancourt. C'est quelqu'un qui était en liaison, en connexion téléphonique avec ce Reda Cricket. C'est grâce à la perquisition que les policiers ont fait au domicile de Reda Cricket qu'ils ont pu récupérer les coordonnées de cet homme. C'est en partenariat, en coopération avec la police hollandaise qu'ils ont pu interpeller cet homme qui avait été mis sous surveillance depuis que ses coordonnées avaient été retrouvées et qui a été arrêté. Alors il s'agit d'un personnage clé, les trois personnages clés de l'attentat, du projet d'attentat en France qui a été déjoué, ont été arrêtés. Donc ils étaient dans trois pays différents, mais selon nos informations, le socle était français parce que c'est là qu'on a retrouvé évidemment les armes, 5 Kalachnikov, des armes de poing et surtout un explosif très puissant selon nos informations qui aurait pu faire beaucoup de dégâts. On ne sait pas quand, on ne sait pas où était prévu cet attentat, mais en tout cas, le projet, nous dit-on, est abouti. Maintenant, il va y avoir tout un travail d'enquête sur l'environnement de ces trois hommes qui permettra de savoir peut-être qu'est-ce qui était décidé et quand comptait-il frapper.